Alors à la base, j'avais prévu de ne pas vous faire de vidéo du tout sur cette période-là et juste vous expliquer pourquoi j'ai pas le temps, à savoir que je dois démonter ma yourte là derrière moi et qu'ensuite j'enchaîne sur une semaine de formation. Et puis je me suis dit finalement, j'allais vous parler un tout petit peu plus de cette histoire de yourte et vous partager quelques liens utiles là-dessus. Et puis ensuite, c'est pas parce que moi j'ai pas le temps que vous, vous en avez pas, peut-être un petit peu. Donc si vous avez du temps pour bouquiner, je vais vous partager quelques idées de lecture. Alors j'ai sélectionné juste une douzaine de bouquins parmi tous les bouquins que j'ai lus sur ces derniers mois là. Donc il y a pas mal de petites pépites que je vais vous partager là dans cette vidéo. Et puis pour terminer, je vais vous parler d'un sujet qui n'a rien à voir avec du jardinage ou de la permaculture, encore que, puisque je vais vous parler d'un personnage dont je suis fan depuis bientôt une quinzaine d'années, à savoir Tao, mon fils, et on va parler de vidéos et de drones. Allez, c'est parti pour cette vidéo. Bon, je vais vous parler d'abord de la yourte, à savoir que là, au niveau aménagement, je sais pas, alors si je me mets là, c'est peut-être pas là que j'ai le meilleur son. Au niveau aménagement, c'est vide, là, on vient de terminer de la vider là, avec Carole il y a quelques jours, et on va la démonter dans 48 heures, elle sera plus là. Alors, cette yourte, je vous en ai jamais parlé, puisque c'est pas du tout le sujet de mes vidéos, hein. C'est-à-dire qu'elle est là depuis 2015, faire 9 ans qu'elle est là, sans déclaration, j'ai pas demandé d'autorisation. Par contre, la commune sur laquelle je suis, ils sont au courant qu'elle est là, les gendarmes sont déjà passés, l'ont déjà vu, donc pour moi c'était toléré. Elle était tolérée jusque là, seulement voilà, aujourd'hui elle dérange et je dois soit la régulariser, la mettre en règle, soit la démonter. Mettre en règle, ça veut dire faire un permis de construire sur un terrain agricole, ce qui ne sera pas autorisé. Et l'autre truc, c'est que moi j'habite dans le village de Vaour juste à côté, ce n'est pas mon habitat ici, c'est je squatte ici, c'est un peu une chambre secondaire quand je suis sur mon lieu de travail, mais j'ai une habitation à côté, donc j'ai assez peu d'arguments qui puissent peser à ma faveur pour que je puisse la régulariser et avoir droit d'y habiter. Et à vrai dire, aujourd'hui j'ai plus envie de ne pas faire de vagues que de me battre pour une yourte que je n'habite pas et donc que j'utilise assez peu finalement. Donc ben voilà, dans 48 heures, cette yourte sera démontée. À savoir que le sujet de l'habitat léger, de comment on peut avoir droit d'habiter dans une yourte, une cabane ou quoi, c'est pas du tout un sujet dans lequel je m'y connais, donc je vais pas moi pouvoir vous en parler. Par contre, j'ai quand même deux petits liens à vous partager. Un lien vers le site de Alem. Alors qu'est-ce que ça veut dire Alem? Je sais plus exactement. Alem, H-A-L-E-M, pour habitante de logement éphémère ou mobile. Je vous mets le lien vers le site, voilà, quelque part par là, il me semble. Et voilà, vous aurez tout plein d'infos là-dessus. Et un autre site, le site de mon ami Jonathan Athias, qui a sorti un bouquin qui s'appelle Désobéissance fertile, et qui a un site qui s'appelle Désobéissance fertile, avec pas mal de liens, pas mal d'infos sur tout ce qui est législation et pas mal d'histoires de vécu de gens qui vivent comme ça. Et il y a plein de façon de pouvoir vivre. L'idée, moi, c'est pas de pouvoir squatter n'importe comment sur n'importe quel terrain. Attention, n'interprétez pas mal ce que je dis. Mais l'idée, c'est de pouvoir faire son travail, de pouvoir vivre sur un lieu sans l'abîmer. Hein. On vit sur des lieux en pleine nature. L'idée, c'est de surtout pas dénaturer, abîmer ces coins de nature. Donc, allez voir sur ces sites, vous aurez tout plein d'infos intéressantes. Voilà, maintenant, j'ai pas grand chose de plus à vous dire là-dessus. Si vous avez des questions autour de ça, de comment j'ai vécu un yourte, comment ça s'est passé, posez-les dans les commentaires, je me ferai quand même un plaisir de vous répondre. À savoir qu'il y a beaucoup, vous posez beaucoup de questions ces derniers temps, c'est génial. Je suis un peu en retard au niveau des réponses, mais j'essaye quand même de répondre à toutes les questions. Mais voilà, faut pas être trop pressé des fois pour la réponse. Voilà, pas plus. Maintenant, je vais aborder des sujets qui m'intéressent et que je connais un peu plus, à savoir l'agriculture, l'environnement, les arbres, les jardins, tout ça, tout ça. Et on va parler lecture, je vais aller m'installer quelque part dans la yourte. Alors pour cette présentation, je vous ai fait une petite sélection parmi les nombreux livres que j'ai. Je sais pas si vous savez, mais je suis un gros fan de lecture et de livres tout court. J'ai beaucoup de livres chez moi. J'essaie de vous faire une petite capture de ma vidéo là, de ma bibliothèque chez moi. Comme ça, vous verrez un petit peu les livres que j'ai et vous pourrez farfouiller là-dedans si vous voulez avoir quelques idées de lecture. Et sur les livres que j'ai lus, c'est cette dernière année ou ces deux dernières années, je vous ai sélectionné mes pépites, les bouquins que pour moi il faut avoir lu
dessus, parce que là, vraiment, là-dedans, il y a des infos super intéressantes. On va commencer avec un livre. Alors, désolé pour l'ascenseur émotionnel. Celui-là, il n'est pas encore disponible. Il n'est plus disponible pour l'instant et il le sera. Alors, donc, bienvenue à Saint-Tropez. Le premier livre sur l'agriculture saint-tropique en français, écrit par Anaëlle Théry. Elle l'a sorti en auto-édition, là, il y a quelques semaines et tout est parti. Il n'y en a plus pour l'instant, mais donc, il sera à nouveau disponible d'ici novembre. Elle m'a répondu ce matin. Là, je lui ai demandé pour savoir pour la vidéo. En novembre, vous pourrez à nouveau l'avoir. Donc, l'agriculture saint-tropique, je vous en reparlerai à fond très, très bientôt. Moi, je vais tester ça dès cet automne-là. Enfin, dès maintenant, je commence à tester quelques petits trucs. Et puis, à fond, là, au printemps prochain. Voilà, c'est une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de cultiver. Très efficace, très productive. D'après elle et d'après pas mal d'autres personnes que j'ai croisées qui ont testé ça aussi. Donc, voilà, c'est génial. J'ai dévoré ce bouquin, là j'ai mis quelques jours à le lire et à le relire et à prendre des notes et à préparer des choses que je vais faire l'année prochaine. Donc voilà, bienvenue à Saint-Tropez, écrit par Anaëlle Théry, un super bouquin qui sera donc de nouveau disponible là d'ici le mois de novembre. Je vous affiche les prix en bas de la vidéo et puis quelques infos si besoin, comme ça vous pourrez savoir et je vous parle pas de prix, il n'y a qu'à lire les sous-titres. Si ça vous intéresse tout ce qui est agricole et qui intègre l'arbre dans les systèmes agricoles, je vous conseille le livre de l'agroforesterie « Comment les arbres peuvent sauver l'agriculture » de Emmanuel Torquebio. Encore une fois, un super livre sur l'agroforesterie et sur toutes les façons d'appliquer l'agroforesterie, d'utiliser l'arbre dans nos systèmes agricoles, quels que soient les systèmes agricoles et quel que soit, je dirais, l'endroit dans le monde où on vit, parce que là, c'est pas que de l'agroforesterie française, c'est vraiment de l'agroforesterie un peu partout dans le monde. Et voilà, c'est très intéressant ce bouquin déjà pour avoir une culture générale sur l'agroforesterie, pour savoir de quoi il s'agit, comment on peut l'appliquer, qu'est-ce qu'on peut produire avec et de quelle façon on l'applique. Si vous êtes agriculteur et que vous voulez vous lancer et que vous voulez avoir des idées, c'est assez général et assez pointu sur pas mal de façons d'application de l'agroforesterie. Donc voilà, un super bouquin sur l'agroforesterie, j'ai beaucoup beaucoup aimé. Donc on a vu la Saint-Tropez, l'agroforesterie, et on va voir encore un autre système qui se base sur l'arbre et sur la forêt. Et on va parler donc de forêt Miyawaki, de méthode Miyawaki pour créer des mini-forêts. Donc ça s'appelle la révolution des mini-forêts, la méthode Miyawaki. Je suis en train de le dévorer, je ne l'ai pas encore terminé, mais c'est une méthode pour planter. Alors je ne dirais pas que c'est agricole là pour le coup, c'est plutôt pour créer des forêts si vous avez des écosystèmes que vous voulez régénérer où que ce soit et que vous voulez y implanter une forêt. C'est une méthode pour créer des forêts avec une densification énorme, une diversification énorme des espèces, des essences d'arbres que vous allez planter, adaptées à vos lieux, à vos terrains, à vos contextes, pour qu'une forêt se crée très très rapidement. Donc voilà, super intéressant. Je vais visiter une forêt Miyawaki demain matin, moi, donc au moment où vous regardez cette vidéo, je serai peut-être en train de la visiter. Voilà, je vous en parlerai encore un peu plus bientôt, mais si vous voulez comprendre, connaître le principe de la méthode Miyawaki et le principe des mini-forêts, je vous conseille vraiment ce livre-là, il est chouette. On va rester sur des choses qui concernent la production d'arbres fruitiers, le métier de pépiniériste, le jardin forêt. On va rester autour de ça avec un bouquin de Evelyne Leterme. Evelyne Leterme, c'est vraiment une référence sur tout ce qui est variété fruitière française. C'est elle qui a bossé au conservatoire d'Aquitaine. Et alors, ça parle pas de biodiversité animale, mais plutôt de biodiversité au niveau des arbres fruitiers, des essences fruitières. Et là-dedans, elle parle de comment créer un verger diversifié, comment créer des fruitières, comment avoir différentes façons de planter, de cultiver donc des arbres fruitiers. Et puis elle parle de déjà du côté historique, de comment on a cultivé, comment on a fait des vergers, comment on a cultivé des arbres. Ça parle pas mal de diversité végétale, de différentes espèces végétales, fruitières en Europe, en France surtout, et différentes méthodes de les cultiver encore une fois. Donc un super bouquin, moi pareil, je l'ai dévoré celui-là. Si vous voulez avoir des bouquins, là j'en ai un et puis un autre, je vous le partagerai là en image. C'est plutôt une encyclopédie.
une encyclopédie d'espèces fruitières, ça s'appelle l'encyclopédie des fruitiers sauvages ou méconnus pour le jardin et la haie fruitière. Donc c'est un gros référentiel, je ne sais pas si vous voyez un peu la taille du bouquin, combien il fait 400, plus de 400 pages. Et donc sur tout ce qui est espèces fruitières, pommes, poires, prunes, pêches, cerises, abricots, amandes, pêches, toutes ces espèces fruitières très cultivées dans nos jardins forêts, dans nos vergers, à nous ici. Tout ce qui est espèces vraiment exotiques, un peu originales, il y en a un petit peu, mais pas tant que ça. Un autre bouquin que je vous conseille, je ne l'ai pas pris celui-là juste parce qu'il fait plus de 3 kg et que je les ai transportés jusqu'ici, qui s'appelle, donc je vous l'affiche là, ça s'appelle Les fruits retrouvés, patrimoine de demain, aussi écrit par Evelyne Leterme avec Jean-Marie Lespinasse, on a eu une autre référence sur les vergers et les essences fruitières en France. Un gros référentiel de tous les gros classiques de tous nos fruitiers, classiques en France, encore une fois un peu les mêmes listes, mais voilà. Très très intéressant si vous êtes pépiniériste, collectionneur, si vous avez un jardin forêt que vous voulez garder comme conservatoire. Vous avez énormément de références d'espèces fruitières, très intéressant. On va rester un peu dans la même thématique. Si vous avez besoin d'un bouquin pour apprendre à multiplier et à travailler les essences fruitières, les espèces fruitières à tailler, vous avez un bouquin de Franck Nattier. Franck, une autre référence sur le jardin forêt ici en France. Ça fait pas mal de temps qu'il bosse autour de ce sujet et il a énormément de connaissances sur tout ce qui est différentes variétés, comment les multiplier, que ce soit par le semis, par la bouture, tout ce qu'il faut savoir pour collectionner, multiplier les espèces fruitières pour les jardins forêts. Il est très très bien fait et puis si ça vous intéresse de voir un petit peu ce qu'il fait, c'est édité par La Forêt Nourricière, donc son projet à Franck Nattier. Allez voir sur, tapez La Forêt Nourricière sur internet, vous allez trouver pas mal de choses intéressantes qu'il a fait. On va se centrer un peu plus sur l'arbre avec les 2-3 bouquins suivants. Si vous voulez comprendre, savoir comment fonctionne un arbre, eh bien, mettez-vous dans la peau d'un arbre. Donc, Dans la peau d'un arbre, écrit par Catherine Lennon. Elle a fait un autre bouquin qui s'appelle Dans la peau d'une plante, qui parle plutôt de tout ce qui est autre espèce de plante. Là, c'est vraiment centré sur l'arbre et c'est très, très complet. Ça se lit comme un roman. Si vraiment vous êtes à fond dedans, ça se lit en quelques jours. Il y a beaucoup d'infos dedans. C'est très accessible pour n'importe qui, même quelqu'un qui n'y connaît rien en arbre. Lisez ça. À la sortie de ce bouquin, vous saurez peut-être pas tout, mais si vous le relisez une deuxième fois et une troisième fois, là vous saurez tout. Donc tout ça pour dire, c'est vraiment très très complet, très intéressant, ça se lit super facilement et voilà, que vous dire de plus, lisez-le, il est vraiment très très chouette. Un bouquin sur un type ou une façon de travailler les arbres, je vais vous en parler moi bientôt parce que je le fais ici depuis quelques années. Le principe des trognes, la façon de tailler les arbres en trogne, en têtard, en tête de chat, il y a plusieurs façons d'appeler ça. Donc les trognes, l'arbre paysan au milieu des usages de Dominique Mention, qui vous parle de tout le côté historique, comment on a fait des trognes, avec quels arbres, pourquoi on a fait des trognes, qu'est-ce qu'on a produit avec ça, qu'est-ce que ça représente dans le milieu paysan, toutes les espèces d'arbres qu'on peut, oui je l'ai déjà dit ça, sur quels arbres on peut faire ça. Donc si les trognes ça vous intéresse, moi j'en parlerai le printemps prochain je pense, je ferai une vidéo sur les trognes maintenant que je commence à en avoir quelques-unes qui commencent à avoir quelques années. On va dire ça commence à être intéressant et un autre super bouquin. Je vais vous dire des super bouquins pour tous parce que là sur tous les bouquins que j'ai lus ces derniers temps, c'est vraiment les pépites que je vous sors là. Un bouquin coordonné par Christophe Drenou sur la face cachée des arbres, les racines. Donc si les arbres vous intéressent et que vous voulez voir comment ça fonctionne sous sol, j'ai appris énormément de choses dans ce bouquin, j'ai cassé pas mal de croyances que j'avais sur les racines, notamment sur le fait que les racines des arbres ça va très très profond. Vous savez, la plupart des gens quand on dessine un arbre, on fait un arbre vertical en haut avec les feuilles et la même chose en symétrique en bas avec une racine qui descend. Il faut savoir que 80-90% du volume racinaire d'un arbre se trouve dans les 20 premiers centimètres du sol. Toutes les racines sont surtout en surface. Bon, et voilà, et beaucoup d'autres choses sur la racine pivot, sur plein de choses intéressantes à savoir si vous voulez connaître les arbres, si vous êtes agriculteur, producteur d'arbres, pépiniériste, arboriculteur. Voilà, des choses très importantes et très intéressantes à savoir là-dedans. On va passer sur encore un autre livre sur les arbres que je classe plutôt dans la catégorie beau livre, édité en association avec Terre Vivante et Plume de Carotte, Les Arbres,
Et qui, alors quand je dis beau livre, c'est un bah, très beau livre, déjà dans le sens où il est bien fait, il y a plein d'images, plein de photos, c'est très très bien monté, c'est très léger à lire, c'est le genre de livre où vous pouvez prendre une page au hasard n'importe quel jour et vous allez avoir plein de choses à apprendre à chaque fois bah, sur le côté botanique, historique, agricole, qu'est-ce qu'on produit avec un arbre, le côté sacré, enfin, voilà, vraiment beaucoup beaucoup de choses. Si les arbres vous intéressent, quelle que soit la façon dont ils vous intéressent, vous allez trouver des choses qui vous intéresseront là-dedans. On va continuer dans cette série-là parce qu'il y en a un deuxième. Sauf que là, c'est pas sur les arbres, c'est sur les graines. Et encore une fois, ben, vous allez avoir là-dedans tout ce qui concerne les graines, la production, comment elles se propagent, comment elles sont produites sur la plante, sur tout ce qui est le marché de la graine dans le monde, hein, le maïs, le blé, le tournesol, le café, le riz, toutes ces graines-là qu'on a autour de nous, et on ne s'imagine pas toutes les choses qu'il y a à savoir là-dessus, sur, bon, voilà, beaucoup, beaucoup de choses sur les graines, très intéressant. Il y en a un autre là que j'ai pas ici parce que je l'ai pas encore lu, de la même série, Arbres, Graines et sur le cannabis qui vient de sortir là il y a quelques semaines, peut-être quelques mois, qui a l'air, enfin, qui a l'air très très bien. Si c'est la même série, si c'est fait de la même façon, il n'y a aucune raison qu'il soit pas bien. Et on va finir, on va sortir de la plante, mais on va aller dans un milieu qui est important pour que les plantes fonctionnent, à savoir le sol. J'ai lu beaucoup, beaucoup, je sais pas, je saurais pas vous dire tous les bouquins que j'ai lus, mais énormément de bouquins sur le sol. Il y en a plein de très intéressants, notamment chez les éditions de Terran, chez Terre Vivante, sur la microbiologie, la vie du sol. Il y a les bouquins de Claude et Lydia Bourguignon qui sont très très bien aussi. Mais je dois avouer que moi, j'ai mon chouchou. Je dirais pas que c'est mon livre préféré, mais c'est un de mes auteurs, si ce n'est mon auteur préféré. J'ai pas de préféré, j'aime pas ça. Mais en tout cas, je l'adore. Marc-André Stélos, il a écrit, bon, tous ses livres, c'est des chefs-d'œuvre. Et L'origine du monde. Et là-dedans, bah, vous aurez tout ce qu'il faut savoir pour comprendre un sol, comment il se crée, comment il se forme, comment il évolue, comment les plantes se nourrissent dedans, comment l'air, l'eau circulent dedans, comment la fertilité, ça marche. C'est du Marc-André Stélos, hein, donc c'est très très bien écrit, c'est très clair. Même si vous n'y connaissez pas grand-chose, il y a moyen de partir de très très bas niveau connaissance et de s'en sortir un peu comme le bouquin sur les arbres de Catherine Laine, de s'en sortir avec énormément de connaissances en lisant ça. Je l'ai lu deux ou trois fois. Je m'en suis beaucoup servi, là je parle des livres que j'ai lus. Je pourrais aussi vous parler du livre que j'ai écrit sur le jardin-forêt, sur comment on conçoit un jardin-forêt, tout ce qu'il faut comprendre, tout ce qu'il faut savoir pour créer un jardin-forêt, sur le design, sur la plante, et notamment sur le sol. Et pour le sol, je me suis énormément basé sur la façon dont c'est expliqué dans ce livre, parce que ben, voilà, très bien fait. Et donc si ça vous paraît trop lourd, parce que ben, c'est un gros livre, hein, c'est combien de pages? C'est 400, presque 500 pages, 470 pages sur le sol. Si ça vous semble un peu trop lourd et pas facilement accessible, le contenu de ce livre et le savoir de Marc-André Solos a été utilisé pour créer une BD faite par Mathieu Burnia. Sur le sol aussi, alors je dirais pas que ça va aussi loin et que vous allez autant en apprendre qu'avec celui-là, loin de là, mais si vous voulez quelque chose de léger pour comprendre un peu comment fonctionne le sol sous terre, et voilà, c'est romancé, il y a une petite histoire, mais par cette histoire, vous allez comprendre les gros fonctionnements, les gros principes, les grands principes de fonctionnement d'un sol, comment ça marche, à quoi ça sert et pourquoi et tout ça et tout ça. Donc voilà, une super lecture. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Ben non, ben c'est bon, hein, on a fini de parler des livres. Si vous avez des questions, si dans les commentaires vous avez envie de partager d'autres références, des super bouquins que vous avez lus, si vous avez envie que je vous parle d'autres références, j'en parle peut-être plus moi sur ma page Instagram, Facebook, où je fais des petites publications des fois sur un livre qui m'a plu. Si vous avez besoin ou envie, pas besoin, mais envie de références sur un thème particulier, parce que là je suis resté vraiment arbre, agricole et un petit peu le sol, mais si vous voulez sur d'autres domaines qui concernent quand même le jardin-forêt, les plantes, l'environnement, l'agriculture. Voilà, dites-moi, j'ai voilà, beaucoup de livres chez moi dont je pourrais vous parler. Et maintenant, ben, je vais arrêter de parler de livres et je vais vous parler d'un personnage qui me plaît beaucoup, à savoir Tao, mon fils. Et donc, je vais finir par partager avec vous un petit kiff que j'ai depuis quelques temps. Déjà, je vous présente Tao, ou je vous le représente parce que vous l'avez déjà vu dans quelques vidéos, notamment la vidéo sur les mini jardins-forêts, tu te rappelles? Ouais. Bon, il était grand comme ça à l'époque, mon petit assistant, chef Tao. Ça va, mec? Ouais. Et salut, mec. Et n'oubliez pas de rester chez vous.
Donc, je sais pas, vous avez dû remarquer que dans pas mal de mes dernières vidéos, j'incruste beaucoup de vues aériennes du jardin parce que depuis quelques temps, j'ai un drone. Et donc, Tao, en découvrant le drone, bah, il s'est pris un peu de passion pour le truc, mais pas pour le même genre de drone. Moi, c'est un drone stabilisé qui fait plutôt de la vidéo cinématique. C'est ça qu'on dit. Et lui donc c'est plus drone FPV. Bon du coup le drone FPV si vous voulez voir ce que c'est, bah, regardez juste la suite de la vidéo, il va vous faire une petite démo. Juste je vous en parle parce que bah, déjà parce que je suis fan de ce qu'il fait et je trouve ça génial la façon dont il le fait. Il a, faut savoir qu'il a tout fabriqué lui-même et il a commandé toutes les pièces séparément, il a fait ses soudures, son montage, enfin... Je suis un peu un malade du truc, donc j'aime bien la façon dont il le fait. Et surtout que, bah, vu que c'est quand même un peu moi qui lui ai payé le drone, en échange, il va me fournir des vidéos. Donc dans pas mal de prochaines vidéos, ça risque d'être lui qui va fournir quelques vidéos. Et du coup, bah, juste, allez, petite démo pour voir comment ça marche. Ouais. C'est un truc de fou, hein, c'est pas le drone... Moi, dans les vidéos que j'incruste de drone de vue aérienne, il y a pas mal de vidéos que j'accélère un petit peu pour qu'on voit vraiment le jardin qui... Bah, pour que ce soit assez dynamique. Là, on va le faire tout en temps réel, il n'y aura rien d'accéléré et vous allez voir la vitesse à laquelle ça va. Quelle vitesse il va, tu sais, à peu près? À peu près 100. 100 km/h. Non, voilà, c'est un petit, c'est un des premiers, c'est un basique, c'est son premier qui fait, donc il est tranquillou. Il va déjà à 100 km/h le machin. Les plus rapides, ils vont à combien? 300. Ouais, il y a des vidéos, le machin il monte à 300 km/h en combien de temps? En une seconde. Une pas. Seconde, c'est pouf. C'est une balle le machin. Donc allez, démo. Alors pendant qu'il déballe, ça n'a rien à voir avec le style de vidéo que je fais, c'est pas de la permaculture, c'est pas du jardin forêt, mais si le drone FPV ça vous intéresse, si vous avez des enfants qui ont envie de s'y mettre ou quoi, et si vous avez envie de voir un petit peu ce qu'il fait, il a une chaîne, une page Instagram pour l'instant, peut-être un jour une chaîne YouTube. Ouais, peut-être, on verra. Mais voilà, déjà, si vous voulez voir quelques petites vidéos qu'il fait, pour l'instant, il y a 4 vidéos sur sa page Instagram. Donc peut-être qu'il va falloir produire un petit peu. Je vous mets un lien et comme ça, vous pourrez voir un petit peu ce qu'il fait. C'est parti? Ouais. Décollage? Normalement, il n'y a pas forcément besoin de la GoPro, là, c'est juste pour pouvoir avoir le son pendant qu'il vole aussi. Il y a la petite caméra qui sert, qui renvoie l'image dans le casque qui va se mettre sur les yeux, là. Et allez, décollage. Bon, et avant qu'on décolle et qu'on parte dans les airs, parce que j'imagine que ça intéressera peut-être pas tout le monde, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo jusque-là. Petit rappel, dans quelques jours, le 21 septembre à 20h30, je fais un live sur ma chaîne qui sera en même temps un webinaire sur la chaîne des alvéoles où on va parler de tout ce qui est question de débutants et comment lancer un jardin forêt. Donc, n'oubliez pas, 21 septembre à 20h30 sur les alvéoles et sur le Jardin des Merveilles. Et puis, pour le reste, merci d'avoir suivi cette vidéo jusque-là. Si ça peut intéresser d'autres personnes, partagez autour de vous, mettez des petits commentaires, mettez des petits pouces en l'air, c'est toujours sympa pour la vidéo, pour le référencement, ça fait plaisir. Et oui, donc j'oubliais, pour ceux qui voudraient me permettre de continuer à prendre le temps de faire ces vidéos, vous pouvez me soutenir financièrement, comme tous ces gens-là qui s'affichent, qui le font déjà, donc merci beaucoup à eux. Et si vous voulez rejoindre cette communauté, il y avait des liens par là, dans la description, sous la vidéo, à la fin de la vidéo. Et voilà, et puis pour nous, c'est parti, décollage. Bon, je vais essayer de filmer le décollage, mais ça part tellement vite que je suis pas sûr de pouvoir le suivre comme il faut. 3, 2, 1... Ok, alors, d'insérer, parce que là c'est... Bon allez, je tente. Aïe aïe aïe.